Vous en avez marre qu'on se moque de votre Cutlass Black? Vous voulez avoir plus de répondants face aux nuisibles et autres griffeurs en tout genre? Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, moi c'est Zelkrieg, et avec mon ami Frappouam, nous allons vous montrer comment améliorer votre Cutlass Black. Je rappelle que depuis la 3.5, CIG a implémenté la persistance des composants sur les vaisseaux. Si vous devez claim votre vaisseau, il reviendra dans sa dernière configuration connue. Pour illustrer cette vidéo, je conseille le site Star Citizen DPS Calculator, qui permet de vous aider à optimiser selon vos besoins n'importe quel vaisseau de votre flotte. En un clic, vous pouvez voir quel est le meilleur composant en fonction de sa taille et de ses caractéristiques. Je rappelle que sur droite, vous voyez l'impact de chacun des composants sur la consommation électrique et le refroidissement selon les situations. Petite précision, certains composants, souvent les meilleurs, ne sont pas à la vente. Ils sont équipés sur des vaisseaux exotiques, comme par exemple le bouclier Sukoran de taille 2 que vous ne trouverez jamais dans une boutique de Stanton. À moins de dépouiller votre joli Banu Defender, vous n'y aurez jamais accès. Tous les composants du Cutlass Black sont de taille 2, excepté les armes. Pour les armes, je vais vous donner 3 exemples, mais en aucun cas je serai exhaustif. Je suppose qu'il existe de meilleures combinaisons que celles présentées dans cette vidéo. Nous allons modifier le Cutlass Black dans une optique de pratiquer le métier de chasseur de primes, qui est l'un des métiers les plus lucratifs, tant que ça ne bug pas. En lien, je vous mets une vidéo vous montrant les prérequis de ce métier. Je vous indique à chaque fois où acheter les composants au meilleur prix. Les composants. Je vous conseille de modifier le Power Plant, le générateur électrique. À Port Olisar, vous trouverez le Maelstrom, qui est l'un des meilleurs de sa catégorie. Son coût, 89 266 crédits. Ce choix sera lourd de conséquences sur certaines armes, ce que nous verrons un peu plus loin. Pour les boucliers, je vous conseille le Rempart que l'on trouve sur l'URL4 ou l'URL5. Son coût, 53 300 crédits. Certains vont préférer des boucliers avec moins de points de vie mais avec une régénération plus importante, comme le FR76. J'ai une nette préférence pour le Rempart, car avec les nouvelles armes à la mode, les Strife Mice Driver, que nous verrons un peu plus loin, il me semble qu'il est important de pouvoir encaisser un maximum de dégâts. En changement optionnel, le moteur Crossfield vous permet d'abaisser la durée des voyages en Quantum, mais au prix d'une consommation plus importante. Il se trouve à Port Olisar pour un prix de 28 702 crédits. Enfin, les refroidisseurs, c'est également une modification optionnelle car elle n'apporte pas grand chose. Je vous recommande les Cool Core. Ils se trouvent à l'Area 18 sur Arcorp au prix de 59 202 crédits l'unité, soit 118 404 crédits les deux. Pour équiper les composants, rien de plus simple. Ouvrir son mobile glass, cliquez sur cette icône, sélectionnez votre vaisseau, changez les composants, et n'oubliez pas de sauvegarder. Petit récapitulatif. Les armes. Par défaut, les armes du Cutlass Black sont assez bien équilibrées. Deux repeaters laser de taille 2, montés en gimbal. Deux repeaters balistiques de taille 2, également montés en gimbal. Dans la tourelle, qui ne peut s'utiliser qu'avec un joueur, deux repeaters laser de taille 3. Grâce au gimbal, vous disposez d'une aide à la visée quand vous ciblez votre ennemi. Une fois votre cible dans le cercle délimité par les pointillés, vos armes vont le suivre. Il faut évidemment garder votre cible dans ce cercle. Appuyez sur la touche R pour changer le mode de visée et faire apparaître ce cercle. C'est un énorme avantage quand on débute en dogfight, mais il y a un défaut. Les gimbals vous obligent à monter des armes d'une taille inférieure. Par exemple, le Cutlass Black dispose de 4 emplacements pour des armes de taille 3. Si vous mettez des gimbals, vous ne pourrez équiper que des armes de taille 2. Le changement de taille augmente considérablement votre puissance de feu. Le choix des armes dépend grandement de vos préférences et de votre style de jeu. Alors je recommande vivement les redoutables Strife Mice Driver, qui sont les armes incontournables de cette 3.7. Pour équiper ces armes, il suffit de changer les armes par défaut sans toucher au gimbal. Ce sont des canons balistiques, c'est-à-dire vous devez de temps en temps les recharger. Les seuls points négatifs restent leur faible cadence de tir et le besoin de recharger après quelques combats. Les Mice Driver sont disponibles à Port Olisar et n'existent qu'en taille 2. Vous ne pouvez donc pas les équiper en taille fixe. Comme je l'ai indiqué, le choix du générateur, le Power Plant, est crucial notamment pour les armes à énergie et en particulier les repeaters laser, qui contrairement aux armes balistiques ne nécessitent pas de recharger après quelques combats, mais vont demander beaucoup d'énergie. Les attritions par exemple offrent leur rendement maximal en les overclockant. Plus elles chauffent, plus elles font de dégâts.
Contrairement aux idées reçues, la dégradation des composants n'est pas encore complètement implémentée, mais ça peut changer dans les prochains patchs. Pour overclocker les attritions, rien de plus simple. Il suffit de sélectionner l'onglet Item. C'est le même principe pour overclocker d'autres composants, comme les boucliers. Les attritions peuvent se monter en gimbal, en taille 2 ou en fixe en taille 3, ce que je vous recommande. Par contre, en taille 3, c'est un peu plus compliqué avec les petits chasseurs. Ces armes ne sont disponibles qu'à leur ville, au Central Business District. Enfin, une autre configuration, les dominances. Elles sont particulièrement adaptées aux grosses cibles, comme les Caterpillars ou Hammerhead. Pour les petits chasseurs et vaisseaux moyens, c'est un peu plus compliqué. Le gros problème reste la cadence de tir, qui est très faible. Ces armes ont la particularité de surcharger et passer les boucliers adverses. Vous pouvez les monter en gimbal en taille 2 ou en fixe en taille 3. Ces armes sont également disponibles au Central Business District. Enfin, les missiles. Par défaut, le Cutlass Black dispose de 8 missiles de taille 3, les Arrester 3, montés sur des rails de taille 4, et de 8 missiles de taille 2, les Tempest 2, montés sur des rails de taille 3. Selon les missiles existants dans Star Citizen, vous avez 3 types de guidage possibles, infrarouge, électromagnétique et enfin de proximité. Je ne suis pas en mesure de vous dire quel est le meilleur missile, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui, des composants peuvent diminuer votre signature infrarouge et électromagnétique. Les missiles de proximité sont redoutables, ça tombe bien, tous les missiles du Cutlass Black appartiennent à cette catégorie. Les contre-mesures ont plus de difficultés à les arrêter. Un conseil, toujours les lancer proche de votre cible pour ne lui laisser aucune chance. Les Arrester 3 sont des missiles de proximité donc pas besoin de les changer. Pour les Tempest 2, on peut les remplacer par les Strike Force 2 qui sont un peu plus puissants au détriment d'une vitesse de croisière plus faible. Pour conclure, avec des IA plus agressives et des joueurs parfois très vindicatifs, je vous conseille fortement d'améliorer partiellement ou complètement votre Cutlass Black ou tout autre vaisseau de votre flotte si vous êtes tenté par le dogfight. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous trouvez ma vidéo utile, vous pouvez me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mieux, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. À bientôt !